from sin and have Christ too much to be made a joint heir with Jesus my Lord. Oh, what a wonderful, wonderful thing. Oh, what a wonderful thing, a very wonderful thing. Oh, to be free from sin and have Christ with it. Oh, to be made a joint heir with Jesus my Lord. Oh, what a wonderful, wonderful, sing it again. Oh, what a wonderful thing, a very wonderful thing, to be free from sin and have Christ with it. Oh, to be made a joint heir with Jesus my Lord. What a wonderful, wonderful thing. He never failed me yet. He never failed me yet. Oh, Jesus Christ, he never failed me yet. Oh, everywhere I go, I want the world to know that Jesus Christ, he never failed me yet. Oh, he never failed me yet. He never failed me yet. Oh, Jesus Christ, he never failed me yet. Oh, everywhere I go, I want this world to know, oh, Jesus Christ, he never failed. Jesus, I'll never forget what you done for me. Hallelujah. Glory. Oh, how you set me free. Oh, Jesus, I'll never forget how you brought me. I will never forget. I'll never forget. No, sing it one more time. Oh, Jesus, I'll never forget what you done for me. Jesus, I'll never forget how you set me free. Jesus, I'll never forget how you brought me. I will never forget. I'll never forget. No, never. Hallelujah. Glory to God. Blessed be the wonderful name of Jesus. Béni soit le merveilleux nom de Jésus. Glory to God. Hallelujah. Amen, 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 amen. How can I forget, comment pourrais-je oublier, Seigneur Dieu? Comment pourrais-je oublier, Seigneur Dieu? Hallelujah. 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 Praise God. Amen. 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 We gotta praise you. Nous devons te louer. Nous devons te remercier. Amen. 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 Hallelujah. Blessed be thy holy name. Béni soit ton saint nom. Blessed be thy name. Béni soit ton nom. Blessed be thy name. Béni soit ton nom. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. I'll never forget. Je n'oublierai jamais. I'll never forget. Je n'oublierai jamais. Hallelujah. If we don't praise him, si nous ne le louons pas, alors les pierres vont crier. Nous devons le louer, nous devons le remercier, parce que chacun d'entre nous est un témoignage de la grâce du Dieu Tout-Puissant. Donc je ne peux pas oublier ce qu'il a fait pour moi. Et si nous mettons ce témoignage ensemble collectivement, chaque démon damné de l'enfer doit disparaître totalement. Ce petit nuage qui essaie de venir sur toi, frère, sœur, il doit partir. La non-louange n'a aucune place dans la maison de Dieu. Imagine, vous pouvez être sans emploi, vous pouvez être sans ceci, sans cela, mais ça n'a pas d'importance. Je ne pourrai jamais oublier ce que tu as fait pour moi. Frère Fiori ne peut pas oublier quand le médecin dit « La fracture est partie ». Je ne peux pas oublier.
Béni soit le nom du Seigneur. Je dois le louer. Je dois le remercier. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il est bon d'être parmi les saints de Dieu ce soir. Alléluia. Amen, Pennsylvanie. Nous devons vocaliser ce qu'il a fait pour nous. Eh bien, il est bon d'être dans la maison de Dieu ce soir. Vous pouvez vous asseoir, on se sent bien. Merci les musiciens. Bonsoir Église. Je vous transmets les salutations de notre pasteur, frère Coleman, ce soir. Je vous demande, s'il vous plaît, continuer à prier ardemment pour lui et sœur Coleman. Je crois qu'il y a plusieurs parmi vous qui ont vu un email que sœur Brunelda s'est sentie conduite par le Saint-Esprit à envoyer, expliquant le sérieux de la condition de frère Coleman. Je réalise aussi qu'il y a plusieurs personnes qui ne reçoivent pas ces emails, donc j'aimerais faire un résumé de ce que la sœur a envoyé dans cet email qui a reçu des réponses des gens autour du monde. En particulier, j'aimerais commencer avec en lisant une section qu'elle a envoyée, qui décrit les symptômes de la sténose spinale. J'aimerais relier cela à autre chose, donc que nous puissions voir clairement, graphiquement, la nature de la condition qui affecte frère Coleman, les symptômes de la sténose spinale. La sténose spinale est une condition invalidante qui nous affecte tous comme nous vieillissons à une certaine mesure. Il peut arriver, se développer partout dans le cou, dans le bas du dos, au niveau lombaire, thoracique. Une fois que ça devient symptomatique, il devient difficile de traiter les symptômes. Vous pouvez penser à la sténose spinale comme une angine de la colonne. Une angine, c'est la maladie la plus débilitante. Le canal peut devenir plus étroit au point où la circulation des nerfs devient compromise. Et la seule façon qu'ils puissent essayer de soulager cela, c'est à travers des chirurgies. Frère Coleman a déjà subi une au cou et il a des plaques de titane dans le cou quand ils ont enlevé les disques de son cou. Ceci provoque une multitude de symptômes, incluant des douleurs au dos, des douleurs du nerf sciatique, des engourdissements des jambes, du dos, des épaules, des bras, une perte de sensation aux extrémités. Cela provoque de la faiblesse, des problèmes d'équilibre, une posture fléchie vers l'avant, qu'on ne peut pas se tenir debout, des difficultés à marcher. Dans les cas sévères, une atrophie des muscles avec un dysfonctionnement des intestins, de la vessie, des désordres du système nerveux. Mais ce sont les symptômes. Nous pouvons continuer en même plus détail de la sténose spinale maintenant. La myriade de maladies sérieuses qui affectent le corps de frère Coleman sont extrêmes en nature, autant que cela serait possible, car chaque maladie exacerbe, aggrave les symptômes de l'autre maladie. La sténose associe les dommages des nerfs sont enflammés par la neuropathie qui est causée par le diabète. En d'autres mots, d'un côté, les nerfs, les canaux nerveux sont écrasés ou resserrés, interrompant la circulation et les sensations, alors que la neuropathie attaque les fonctions motrices sensorielles dans deux maladies extrêmes qui attaquent et qui causent des faiblesses musculaires, des crampes, des spasmes associés avec les dommages aux nerfs moteurs. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose de temporaire, mais ça cause des dommages aux nerfs moteurs, une perte d'équilibre, de balance. Étant là avec frère Coleman à chaque jour quand il essaie de se lever, si je vous le dis, c'est toute une tâche de simplement se lever et d'attendre, d'espérer que vous allez avoir l'équilibre. Les dommages aux nerfs sensoriels produisent des engourdissements, des picotements associés. Aussi, il y a une sensation, vous avez ces sensations comme un gant invisible ou un bas, mais vous n'avez pas de bas, vous n'avez pas de chaussettes.
de gants, mais vous avez l'impression de l'avoir. Des sensations de brûlure, de gelure, d'impulsions électriques qui viennent de façon comme des spasmes, une sensibilité extrême au toucher. Le Seigneur lui donne des commentaires pour l'Église. Il touche la Bible de la mauvaise façon et il doit se reculer. Vous entendez la douleur qui le traverse. Donc, si les nerfs autonomes, du système autonome sont endommagés, alors les fonctions involontaires deviennent affectées. Les symptômes, comme pour la sténose spinale et la neuropathie, une pression artérielle anormale, une difficulté avec la transpiration, des problèmes de constipation, de désordre digestif sévère. Ajoutez à cela le cancer de la prostate et son problème cardiaque qui cause une rétention d'eau et à cause de cela une enflure des pieds au point où il ne peut pas porter de chaussures. Simplement de mettre ses pantoufles, il doit vraiment trouver une paire de pantoufles extra large. Il ne peut pas porter des chaussures ou des pantoufles. Donc, ajoutez à cela la responsabilité de la commission apostolique, les messages, les commentaires, dans la condition où il se trouve, sachant qu'il y a une épouse autour du monde qui attend d'entendre la parole du Fils de l'homme en écho avec les promesses des rachetés. Alors, je vous demande ce soir, sachant ceci, notre chère sœur, avec le fardeau qu'elle avait d'envoyer cet email, quel fardeau avez-vous vraiment saisi pour lui, sa femme et sa famille? Souvenez-vous, une famille endure la douleur, la souffrance de leur bien-aimé. Donc, ils doivent voir la détérioration, Sœur Coleman avec sa condition, Frère Coleman avec sa condition, sachant comment vous avez été nourri, sachant comment vous avez été béni par un ministère qui sacrifie sa propre santé et sa vie pour nous amener à cette troisième phase, troisième pull, un appel à la résurrection. Donc, Église, il est temps de vraiment entrer en action, de prier et de faire votre part, votre tiers. Pas simplement de vous inquiéter, vous soucier de vous-même. Oui, nous traversons des choses, nous traversons des épreuves traumatiques dans la vie, mais voici un apôtre de Dieu qui a donné tout ce qu'il pouvait possiblement donner. Et il est dans une position maintenant où son corps est totalement brûlé. Il est prêt à s'effondrer, prêt à tomber. Il n'y a pas un gramme d'énergie qui reste en lui. Quand il respire, il y a des douleurs dans sa poitrine, simplement de prendre une respiration normale. Donc, je crois que comme il a sacrifié sa propre santé, son temps avec sa famille, alors c'est le temps pour nous de passer à l'action. C'est le temps de prier, le temps de faire notre part, de faire votre tiers, d'être sérieux au sujet de votre engagement. Pas seulement, à nouveau, une semaine, la semaine suivante, il sera ici. Non, d'être sérieux dans votre engagement, de prier pour lui, priez le Seigneur et ce que vous croyez, ce que vous dites croire, alors c'est l'heure, c'est le temps d'agir en conséquence. Vous croyez que ce serviteur de Dieu est un apôtre de Dieu commissionné? Vous dites, oui, je me tiens derrière vous, Frère Coleman, il a besoin de nous maintenant, de nous agenouiller derrière lui, d'être à genoux et de prier et de faire pour lui, comme notre sœur a saisi un formidable bardeau, c'est si beau de la façon dont elle l'a exprimé. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui. Je demandais à Frère Coleman si ça était OK de ramener cela parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a reçu le email, mais j'aimerais vous dire que c'est urgent. C'est une urgence. Vous avez Frère Coleman qui est là dans cette condition-là et vous et moi, nous devons vraiment être poussés à bout et prier. Donc je vous le demande, allez-vous le faire avec nous? Amen. Frère Coleman, Pennsylvania, allez-vous le faire? Amen. Levez-vous debout. J'aimerais avoir une prière spéciale pour lui avant de poursuivre avec le message. Seigneur Dieu, nous nous sentons inspirés d'avoir cette prière spéciale et d'amener les gens à voir de façon graphique, avec des détails, l'agonie que ton serviteur endure. Nous tenons, Seigneur, collectivement New York, Pennsylvania, je crois que ceux qui sont
sur Internet pour dire « Oui, compte-moi, compte sur moi, Seigneur. Je vais faire ma part. Je vais prier. Je vais démontrer un souci, un fardeau pour ton serviteur. Je serai ici à l'heure. Je ferai ma part. Et Père, je prie que c'est un des meilleurs médicaments que ton serviteur puisse recevoir, que nous puissions combattre pour la foi et faire notre part. Seigneur, puisses-tu descendre et commencer à toucher. Nous savons qu'il sera ici bientôt. Mais ce soir, Seigneur, à travers l'email de notre sœur, tu veux mettre dans les gens une responsabilité de prier pour ton serviteur. Ainsi, nous le faisons, Père. Nous prions ce soir et puisse ceci être le début avec la chaîne de prière d'un labeur de prière pour lui et pour sa famille, Père, car ils ont besoin de nos prières. Père, nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen et amen. Vous pouvez vous asseoir. Sœur Brunelda, merci d'avoir envoyé cela de la part de Frère Coleman. Vraiment, c'était formidable. Inspiré. Amen. Well, church, bien, Église, dimanche matin, le service de dimanche matin était un événement de l'épouse, un jour spécial pour les rachetés, car l'année de mes rachetés est venue. Les commentaires de Frère Coleman, Ruth décidant, Ruth travaillant, Ruth se reposant, et maintenant Ruth récompensée et rachetée. Ensuite, les Écritures que le serviteur avait, Saint Luc 21, 25 à 28, ils sont venus à la vie, spécialement le verset 27 et 28 de Luc 21 qui dit « Alors, ils verront le Fils de l'homme venir sur une nuée avec la puissance et une grande gloire. Et quand ces choses se produiront, alors redressez vos têtes. » Regardez vers le haut, car votre rédemption approche. Donc, cela veut dire que même si vous êtes dans une épreuve, vous reconnaissez que ces choses s'accomplissent, alors je dois relever la tête et regarder en haut, car ma rédemption approche. Les rachetés ont vu la venue du Fils de l'homme. Le 28 février 1963, le Fils de l'homme est venu dans une nuée, sept anges, avec une grande puissance et une grande gloire. Et pendant 35 ans, de 1975 à 2009, un écho est sorti pour un appel de l'épouse. Et nous sommes ici à cause de cet écho qui est sorti. C'était un appel, un avertissement qui a réveillé l'épouse afin que l'épouse puisse se préparer elle-même. Elle n'a pas attendu après personne d'autre, mais cet appel est sorti afin qu'elle puisse se préparer pour la résurrection, l'appel de la résurrection. La parole révélée s'est ouverte à elle à travers ce ministère éco-apostolique. Et quand ces choses-là ont commencé à se produire, les rachetés ont dû relever leur tête. Peu importe ce que vous traversez, ma rédemption approche. Et j'aime ça, parce que ça n'a pas d'importance. Ça ne dépend pas de personne d'autre. Ma rédemption approche. Bien sûr, vous traversez des tests, bien sûr, des épreuves, des temps de nervosité, mais ça n'a pas d'importance. Ma rédemption approche. Pas d'importance. Le mari, la femme, les enfants, votre rédemption approche. Vous pouvez vous asseoir. Le Fils de l'homme lui-même est venu dans une nuée avec une grande puissance et une gloire dans le seul but de la rédemption. Ensuite, après ces commentaires, le puissant chef-d'œuvre, le message qui a suivi, la révélation du livre des sept sceaux de rédemption et la récompense de Ruth. Un message, un chef-d'œuvre de 3 heures, et il semblait que ces 3 heures-là passer très rapidement dimanche matin. Dans le message, la compréhension de la rédemption a explosé dans nos cœurs. C'était un voyage depuis avant le commencement à travers cet âge de l'Église. Un mystère caché pour l'esprit intellectuel, caché dans ces 7 sceaux. Toute la rédemption cachée dans 7 sceaux au dos du livre. Et le Fils de l'homme est venu dans une grande gloire, une grande puissance le 28 février 63. Il a révélé tous ces mystères
et ils ont été saisis et ramenés en écho par un écho apostolique. Le mystère du livre, dans le livre, la section du sang de l'agneau dans le livre de la vie, où les noms rachetés, où mon nom est écrit et ne peut pas être enlevé. Donc, je n'ai aucun temps d'être pris dans une vallée quelque part. Mon nom est dans le livre. Le nom de l'Éternel est une puissante forteresse. Mon nom est dans le livre. Amen. Pensez à cela. Il ne peut pas être enlevé. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et ils, vous, les rachetés, ils ont reçu tout l'héritage qui est contenu dans ce livre des sept sceaux de rédemption. Et comme l'épouse Alpha, vous êtes devenu la parole manifestée pour votre âge. Comme frère Coleman l'a fait ressortir, les lois orientales, c'était si beau. Comment l'image était claire de l'acte de la rédemption, comme le proche parent s'avance pour regarder le dossier public de la propriété de l'hypothèque ayant payé le prix au calvaire avant la fondation du monde, comme Elohim a pensé au besoin d'un parent rédempteur. Cet agneau s'est avancé capable de payer le prix de la rédemption et il est prêt à le faire. Le parent, l'agneau, alors a pris le livre, un registre public. Il en a brisé les sceaux contenant tous les détails de votre et de ma rédemption. Et il a libéré le contenu au prophète Malachi 4 qui a révélé le contenu dans le message écrit. Et après qu'il ait quitté la scène, plusieurs étaient dans la perplexité. Est venu alors un écho apostolique pour ramener en écho les détails, pour ramener les mystères cachés du livre de la rédemption, où mon nom est écrit. Et ces détails garantissent tous mes droits, tous vos droits, ceux dont le nom est dans le livre. Si mon nom est dans le livre, j'ai la garantie d'avoir cet héritage, parce que je suis un véritable héritier, je suis un racheté, donc je dois crier et je dois louer Dieu Tout-Puissant. Amen. Gloire à Dieu. Je ne regarde pas à mes circonstances, je ne regarde pas cela. Mon nom était dans ce livre. Alléluia. La rédemption au temps présent par le cri. Et maintenant, la voix de l'archange est ici avec la rédemption par la puissance. Pour le Fils de l'homme, le Fils de l'homme est déjà venu dans une grande puissance et une grande gloire. Donc c'est pour cela que je crie. C'est pour cela que je loue Dieu. Amen. Et nous sommes dans la saison de la manifestation de l'inconcessable du titre de propriété. Le titre de propriété de l'épouse. Autrement dit, quand la dynamique frappe votre mécanique, alors le titre est complètement libéré. Satan, tu n'as rien à dire. Il y a une pleine rédemption. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Et quand vous pensez à cela, si seulement avec les prémices, les morts ont été rachetés, la leucémie a dû reculer, les disques ont été créés dans le dos de Léona. Mais qu'en est-il du temps de la plénitude de la rédemption? C'est le temps de la parole parlée. C'est le temps pour votre famille. C'est le temps pour ma famille, mes enfants. Maison de l'enfer recule parce que les rachetés sont en scène. Alléluia, quel message. Un apogée du message de rédemption. Un voyage de la semence parole sang, qui comme Ruth a une révélation qui l'a amené vers Boaz, son parent rédempteur. Elle s'est assise au pied de Boaz. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et comme Frère Coleman l'a mentionné dans ses commentaires dimanche, il aimerait parler davantage de 9 et 6. Et nous avons été rappelés comment en 2009, la troisième phase a été entièrement identifiée à Penharis avec la vertu puissance pour le service sur une portion du quintuple ministère. Et l'Esprit a été identifié comme étant ici sur la troisième phase.
par notre frère Kevin Blewitt à la convention de Eisenhoff en Allemagne. Et bien sûr, il était entièrement confirmé du 6 septembre 9-6 au 27 du 12, 6 et 9, et au Ghana et Eldoret le 24-12 au 27-12. Devinez le chiffre, 6 et 9. Et il nous a été dit par frère Billy Paul dans le hommage à Malachi 4 que Dieu a choisi les nombres, les dates avec 9 et 6 pour son prophète, pour ouvrir les sceaux. And the same dates, les mêmes, and numbers dates, les mêmes chiffres, 9 et 6, ont repris le prophète quand il a quitté la scène le 18 mars 1963. C'est un 9, 18, le premier sceau. Le 24 mars, 3, 24, le septième sceau, c'est un 6. Le 18 du 12, 65, 18 est un 9, l'accident. Le 24 du 12, 65, un 6. Le prophète est parti à la maison. Et vous savez qu'il avait traité avec mon ministère, avec 6 et 9. Et une chose que j'ai laissée de côté, quand j'en ai parlé précédemment de ces chiffres dans mon ministère, Azusa Street, c'était le 9 avril 1906, où le Saint-Esprit s'est déversé. Le prophète est né le 6 avril 1909 pour amener le message cri 6 et 9. Je suis né 18 ans plus tard, le 27 du 6, 27, 18 ans après le prophète, 8 et 1, 9. And 6 months into my mother's pregnancy, dans le sein de ma mère, dans le sein de ma mère, un ange est apparu, et quand l'enfant naîtra, nomme-le Joseph. Et bien sûr, c'est arrivé 6 et 9 pendant le 9e mois. J'avais 33 ans, un 6, quand j'ai été sauvé le 6 avril 1960. Et 3 jours plus tard, le 9 avril 1960, qui est un 9, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Sauvé le 6 du 4, baptisé le 9. Le 9 du 4, 6 et 9. J'avais 36 ans, le 9 quand j'étais ordonné. 7, 7, 63. Malachi 4 avait 56 ans, un 11, quand il est parti en 65, un 11. Je suis avancé le 26 décembre 1965 pour amener le cri du roi, 65. J'avais 38 ans, 11 ans, un 11. Vous savez tous au sujet du 6 juin, du 9 juin 1974. Église, même dans mon travail séculier, j'étais facteur, un postier pendant plusieurs années, mais j'ai appliqué pour une route de première classe. En voyant la main du Seigneur, on m'a donné la route numéro 18, 1 et 8 égale 9, qui consistait à 3 édifices de coop dans la région de Fort George. Sur la colline Fort George, il y avait 2 maisons, la première, numéro 11, la deuxième maison, c'était numéro 15, un 6. Et au sommet de la colline, il y avait l'avenue Saint-Nicolas, et en descendant la colline, sur l'avenue Fairview, vers Broadway, c'était ma troisième bâtisse, 45 avenue Fairview, 4 et 5, 9. Donc, ma route, 18, un 9, la première maison, un 11 pour les ouvriers à la 11e heure, la deuxième maison, un 15, un 6, et la troisième maison, 45, un 9, 3 maisons pour 3 phases. Amen. Le Seigneur ne fait aucune erreur. En passant, le 11 décembre 73, à George Hill, le Seigneur m'a montré de quitter mon emploi le 31 décembre 1973, et là, je suis entré dans le travail à plein temps dans le ministère. Immédiatement, je suis à Tucson, en Arizona, en janvier 1974. Maintenant, pour sceller les nombres 6 et 9, mes amis, le livre de l'Apocalypse a été écrit. The book of Revelation, le livre de l'Apocalypse, a été écrit by John par Jean AD
96 après Jésus-Christ. And therefore you can see donc vous pouvez why voir the Lord would use pourquoi le Seigneur a utilisé 9 et 6 pour ouvrir les 7 sceaux à Malachie 4. Amen. So John Amen. Wrote that book Jean of a écrit ce livre de l'Apocalypse 96, en 96 so après Jésus-Christ. Donc le Seigneur, le Saint-Esprit dit 9 et 6, mon serviteur Malachie 4, pour ouvrir les 7 sceaux. Donc, étant donné que 96 AD, ou après Jésus-Christ, a ouvert en 9 et 6, je me demande pourquoi est-ce que le 20 septembre 1974, que le Seigneur m'a révélé les tonnerres. Mais en janvier cette année, quand la révélation a commencé vraiment à s'ouvrir pour les gens, le Saint-Esprit a révélé à frère Norman Lirette le mystère caché concernant le 20 septembre. Le Saint-Esprit a dit à frère Norman de compter les lettres en septembre, c'est un 9, S-E-P-T-E-M-B-R-E. Ensuite, compter les lettres dans le mot 20 en anglais, 20, c'est 6 lettres en anglais. Le 20 septembre, 9 et 6. Amen. September 20. Amen. 9 et 6. There hid the mystery. Là, caché le mystère pourquoi le Seigneur a choisi le 20 septembre, 9 et 6, pour révéler les sept tonnerres. And on 9/20/81, le 20 du 9, 81, 7 ans plus tard, early that morning, tôt ce matin-là, le Seigneur a révélé comment prêcher le livre de rédemption de l'agneau qui devait être une pensée dans l'esprit, dans la pensée d'Elohim exprimée dans le Logos comme la parole. Et en même temps, en 1981, il m'a donné la révélation de la dynamique. Dans le message, cependant, nous prêchons une sagesse, frère Coleman en parle, citation. Maintenant, ce triple mystère de Dieu, la sagesse cachée, tous ces mystères cachés peuvent seulement venir à des chrétiens mûrs, des semences brun dorées, des grains de blé mûrs dans le chaud soleil de juillet dans lequel nous sommes, qui est la charité, qui est la dynamique, which is Elohim, qui est Elohim revenant en puissance au temps de la vie, qui est illuminé par le soleil et demeuré éclairé pendant 28 minutes. Donc, Frère Coleman avait étudié également, voulait savoir au sujet de la dynamique, et ici le Seigneur lui a montré la révélation de la dynamique, ce qu'elle était. Maintenant, comme petit témoignage concernant la bande ce soir, comme il vous a été dit, plus tôt en janvier, le Saint-Esprit voulait que certains messages soient joués en janvier et février, parce que votre entendement maintenant était ouvert et la parole maintenant est ouverte pour vous. Donc, il voulait que certaines semences soient plantées avant que la dynamique ne tombe, pour vous donner une rapide compréhension de ces messages qui sont pour la troisième phase. Et dimanche, c'était l'un de ces messages. La révélation du livre des sept sceaux de rédemption est la récompense de Ruth. Ensuite, j'avais un autre message, la manifestation de la pierre de fête, la pierre de tête de l'Angleterre que nous ferons jouer le 15 novembre 1998. Ensuite, lundi et mardi dernier, il m'a donné une autre bande de 1998. En octobre, la charité, la pierre de fête d'amour. Et aujourd'hui, vers 2h30 l'après-midi, je pensais à octobre et novembre 1998, et la pensée est venue, qu'en est-il de septembre 1998? Donc, j'ai demandé à frère Bellomo d'aller chercher les bandes, et c'est la bande que nous allons, qui sera jouée ce soir, qui est intitulée « La manifestation de faire les plus grandes œuvres de Jésus-Christ » prêchée le 20 septembre 1998. J'ai pensé que c'était étrange, la date était le 20 septembre 1998, et j'ai réalisé que le Saint-Esprit voulait que je fasse une pause avec les bandes du Ghana pour faire jouer ces trois messages spéciaux mercredi ce soir, dimanche, et ensuite mercredi soir prochain. Donc, comme j'ai dit dans la bande ce soir, vous allez clairement voir la raison pour laquelle elles sont jouées. Le Saint-Esprit a une révélation spéciale le 20 septembre 1998 de
faire les plus grandes œuvres. Une révélation, un témoignage pour vous sur cette bande. En 1998, le Saint-Esprit m'a donné une révélation de faire les plus grandes œuvres et m'a fait prêcher le 20 septembre 1998. 9 et 6. Cela donne une pleine révélation sur la bande de faire les plus grandes œuvres. Maintenant, comment cela vous affecte sur cette troisième phase? Donc, je dis en tant que votre pasteur, ce que vous planifiez de faire, soyez ici pour ces trois bandes. Je dis comme votre pasteur de vous consacrer vous-même chaque jour parce que quelque chose est sur le point de se produire. La dynamique est sur le point de se déverser sur les vases consacrés. Et ce sera la grâce de Dieu et sa miséricorde envers ses ouvriers de la 11e heure. Les bandes du Ghana et d'Eldoret vont reprendre après ces messages spéciaux, après qu'ils aient été joués, les messages que le Saint-Esprit a choisi pour s'y racheter. La manifestation de faire les plus grandes œuvres transmettre la vie éternelle. À nouveau, je vous dis en tant que votre pasteur, s'il vous plaît, portez attention au message ce soir. Il n'est pas long parce que le Saint-Esprit a choisi ce message pour vous ce soir, pour la troisième phase. Dieu vous bénisse. La manifestation de faire les plus grandes œuvres de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Thank you, Brother Balomo. Amen. You appreciate it. Vous appréciez, Frère Balomo? Well, praise God. Well, I went out to Arizona in 1974. Je suis allé en Arizona en 1974. Et frère m'a demandé de saluer les gens. J'allais prêcher ce soir-là, mais il ne m'a pas dit qu'il allait me demander. Mais le Seigneur m'a parlé, il m'a dit. Je ne savais pas. Il va te demander de venir ici devant 900 personnes. Donc, rapidement, je suis allé dans la Bible, j'ai pris Jean 4, la nourriture secrète. Je suis allé à la chair. Il a dit, frère Joseph Coleman est ici. Il va nous prêcher ce soir. Je me demande s'il aimerait venir saluer les gens. Donc, je suis allé là, prêt, préparé. Alors, j'ai parlé de la nourriture secrète et le feu est tombé. Je ne savais pas que ça allait être les tonnerres. C'était en janvier. Il ne vous laissera jamais et ne vous abandonnera jamais. Il vous donnera une bouche et une sagesse. Quoi faire, quoi dire et comment le faire. Eh bien, Église, vous êtes prêts pour la réunion? Vous avez vos souliers pour crier? Eh bien, vous devrez prier pour moi parce que je suis un vieil homme maintenant, 17 ans. Donc, je vous remercie pour vos prières et tout. Je fais ceci pour vous. Amen. Parce que je dois me départir de ce fardeau qui est dans mon cœur. Donc, comme je débute, non, ayons plutôt un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, comme je me tiens ici pendant une heure environ, essayant d'amener les gens à ce qui se passe, nous n'avons pas été rassemblés comme ceci depuis la convention. Et j'ai dû leur laisser savoir ce qui est sur le point d'arriver afin qu'ils ne soient pas pris par surprise et ensuite essayer de les inciter parce qu'un cri signifie d'inciter. Message de Frère Branham, Laodicée qui est aveugle, misérable, pauvre, nul, le cri les a incité les semences prédestinées à sortir. Donc, Seigneur, que je puisse dire quelque chose aujourd'hui pour inciter les semences prédestinées
et ceux qui veulent donner leur cœur au Seigneur, et ceux qui veulent revenir, gloire à Dieu, ceux qui veulent être libres. Dieu Tout-Puissant, puisses-tu déverser le Saint-Esprit en ce jour, ce jour du 20 septembre, que nous puissions jamais oublier ce jour. Alléluia. Je ne sais pas ce qui va se passer, je suis fatigué, épuisé, mais je viens à la chair avec quelques notes et je m'attends à toi. Donc, Seigneur, fortifie-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, une nouvelle onction. Oins les gens. Alléluia. Et maintenant, Seigneur Dieu, puisses-tu oindre ta parole, oindre les auditeurs de la parole et que cela aille profondément dans le cœur des croyants, que les signes, les prodiges accompagnent, Seigneur, que les grandes guérisons éclatent, que plusieurs reçoivent le Saint-Esprit et toutes les merveilleuses choses qui sont dans ce livre, que finalement ils aient une révélation d'aller vers l'ange. Dieu Tout-Puissant, fortifie-moi maintenant. Garde ma pression, Seigneur, basse. Bénis la lecture de la parole. Nous prenons soin de donner tout l'honneur, la gloire, la louange. Nous prions et demandons la bénédiction au nom de Jésus. Si vous pouvez rester debout, j'attire votre attention à Jean 14, 12, verset 20, et Jean 15, 7. Et Apocalypse 22, 17. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Verset 20. En ce jour, vous saurez que je suis dans mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Je suis en vous. 15, 7. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. In Revelation 22:17, l'Esprit et l'Épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Frère Norman, comme titre, la manifestation de faire les plus grandes œuvres de Jésus-Christ. J'ai un sujet. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. I got to get it off. Praise God. Je dois m'en départir. And also, the spirit and the bride say, l'esprit et l'épouse disent, viens, celui qui a soif, que celui qui veut. And this morning, sister, et ce matin, sœur Brunilda Torres, elle m'a envoyé une lettre. And she had in it, so strange, et c'était étrange. Elle parlait du silence. And, et c'était écrit par sœur Ellen Clark. Plusieurs des anciens se souviennent d'elle. Elle a écrit plusieurs autres choses. Elle a tout nié après. Elle dit qu'elle n'avait jamais écrit cela. Mais elle l'avait écrit, elle me l'avait remis. Donc je dis, ok, très bien, tu ne l'as jamais écrit, c'est bien. Mais elle l'avait écrit. Donc elle s'est tournée contre le message et tout. De toute façon, je l'ai envoyé à frère Billy Paul et ils l'ont lu au funérailles, au service funèbre de frère Branham. Donc sœur Brunilda m'a donné, elle m'a imprimé une copie, le silence. Et quand il ouvert le septième sceau, il y a eu un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Apocalypse 8:1. Quel est ce silence, ce souffle de silence, ce silence d'expectative, un gémissement, un murmure, une prière? C'est la scène finale d'un grand drame. Cette fois, quand les spectateurs attendent la bouche ouverte, observant l'estrade parce que la pièce a atteint son point culminant, c'est le temps de la dernière page du roman pour voir finalement quelle est la clé de l'intrigue, du mystère. C'est le silence avant l'aube, le silence avant que la fleur ne s'ouvre et que les oiseaux commencent à chanter. C'est l'attente de l'aigle qui vole dans les airs avec les yeux sur un serpent
entortillé sur un rocher prêt à le frapper. C'est le silence avant que la paranuptiale se mette en marche, comme l'épouse qui est préparée à temps à la porte et que les yeux de l'époux regardent vers elle. C'est le dernier gémissement, la dernière larme, la dernière prière murmurée avant par la mère enceinte qui donne finalement toutes les forces qu'elle a pour produire la vie, la joie. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est le Tout-Puissant. Dieu est-il prêt à briser ce silence? Le dernier acte, la dernière page. Yes, sir. Brother Norman, Frère Norman, je vous ai donné le titre. Mon sujet, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Voilà, je l'ai déjà dit. L'Esprit, l'Épouse, disent, viens. OK, mes amis, je ne veux pas être ici trop longtemps. Question. Avez-vous eu votre jour au calvaire afin que Dieu puisse faire ce qu'il veut faire avec vous? Êtes-vous vraiment allé au calvaire? Savez-vous vraiment ce qu'il a fait pour vous? L'avez-vous compris? Quand vous êtes allé à l'autel, avez-vous pleuré de joie de savoir que Dieu vous a choisi parmi une multitude? Avez-vous vraiment eu votre jour au calvaire? Ou avez-vous simplement pris un livre pour venir dans le message? Ou êtes-vous allé au calvaire? Pour savoir que par ses meurtrissures, vous êtes guéri. Par ses meurtrissures, vous êtes sauvé. Par la grâce de Dieu, par la foi. Dans l'expiation du sang. Et là, quand il a dit, tout est accompli. Accompli, fini. Les montagnes, la nature a eu un réveil. Parce qu'ils savaient, bientôt, ils allaient rentrer, retourner en éternité. Gloire à Dieu. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. Nous recherchons tous une perfection dans notre cœur. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas assouvir. C'est quelque chose qui est là. Nous ne sommes pas satisfaits de ceci. Nous ne sommes pas satisfaits avec cela. C'est cette chose-ci, cette chose-là, et le monde, et ceci, et cela. Nous ne pouvons pas étancher cette soif. La drogue ne peut pas le faire. Le sexe ne peut pas le faire. Rien ne peut le faire. Le monde ne peut pas le faire. Gloire à Dieu. Seul Dieu peut satisfaire. Hallelujah. Un désir en vous de le servir, de crier. Hallelujah. Hallelujah. Satisfaction garantie. Si vous avez votre jour au calvaire, et si vraiment vous avez eu votre jour au calvaire, alors Dieu peut vraiment faire ce qu'il veut avec vous aujourd'hui et pour toujours. Gloire à Dieu, Amen. Donc, nous recherchons tous la perfection dans nos cœurs. Nous voulons une réalité dans notre âme de Dieu. Dieu, je dois avoir la réalité. Je dois savoir que tu es ici, là-dedans, agissant, sautant. Gloire à Dieu. Oh, je ne serai pas satisfait jusqu'à ce que ta colonne de feu entre dans mon âme et laisse une partie de ton être en moi. Je ne serai pas satisfait.
Nous nous sentons vides parfois. Nous sentons que nous voulons atteindre un plateau avec Dieu. Nous continuons à nous glissons, nous tombons vers le bas. Et nous voulons demeurer là. Nous voulons grimper à un certain endroit et nous ancrer juste là. Alléluia! Alors, recevoir une autre révélation et monter davantage et nous cramponner juste là. Alléluia! Nous montons vers la perfection où vous serez Jésus. Vous allez marcher comme Jésus. Vous allez parler comme Jésus. Vous allez vivre comme Jésus. Jésus, Christ, vivra sa vie à travers vous. Ce sera la manifestation de faire les plus grandes œuvres de Jésus-Christ. Alléluia! Cette soif, l'esprit et l'épouse disent, viens, Jésus sera dans l'épouse, vous appelant. Vous avez eu quelle soif si vous êtes pécheur ici aujourd'hui, repentez-vous. Si vous êtes rétrograde aujourd'hui, courez à l'autel. Qu'attendez-vous? Dieu fait un appel. Alléluia. Oh, alléluia. Le comportement de Dieu, c'est sa personne. Et ce qu'il est dans son comportement déclare sa personne. Vous n'avez pas essayé de comprendre ou d'être tout humble et de relever votre collet. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. C'est pas ça. Son comportement est sa personne. Vous pouvez lire son sujet dans la Bible. Amen. Et ce qu'il est dans son comportement déclare sa personne. Amen. Et c'est comme cela que nous sommes. Dans notre comportement, notre vie, cela dit ce que nous sommes. Nous sommes dans le message, mais nous voulons une complète satisfaction et la perfection. Nous nous contenterons de rien de moins. C'est pour cela que nous sommes venus dans ce message. C'est pour cela que Dieu vous a amené ici. Il savait que vous auriez faim et soif de revenir en Éden, là d'où vous venez, où vous étiez avant. Glory! Vous savez qu'une partie de vous n'a pas toujours été ici. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez, quand vous étiez un enfant, quand vous avez grandi, il y avait quelque chose dans votre âme. Il y avait une partie de vous qui était ailleurs, quelque part ailleurs. Achat! Vous savez, vous ne pouvez pas le nier. C'était ailleurs. Et où étais-tu quand les fils de Dieu criaient de joie et les étoiles du matin chantaient ensemble? C'était vous. Amen, sœur Laura. Crie. Dieu t'a promis le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Faim et soif. Tu étais là quand le deux tiers des anges ont été chassés. Et les anges qui sont restés avec Christ, Michael, ils vous représentaient votre esprit. Et c'est pour cela que vous êtes ici aujourd'hui avec Michael. Personne d'autre ne peut être ici sinon vous, parce que vous étiez là. Donc vous êtes ici. Et vous savez en vous qu'il y a quelque chose d'autre en dehors de cette espèce de gâchis ici. Alléluia. Vous savez que vous allez retourner là-bas. Vous savez qu'il n'y a pas assez de démons pour vous garder loin de là. Alléluia. Parce que, alléluia, glory. Tous ceux qu'il a appelés, il a justifié. Ceux qu'il a justifié, il a déjà glorifié. Vous êtes déjà glorifié maintenant même. Votre théophanie est dans la présence de Dieu. Chat! Quel démon, quelle puissance pourrait vous séparer de l'amour de Dieu? Oh, glory, hallelujah!
Je vous le dis, les aveugles peuvent voir, les infirmes peuvent marcher, le cancer peut sortir. Frère David Gold, Sœur Laura, plusieurs autres, ce sont des démons, ils ne peuvent pas rester là. Alléluia. Glory. Gloire à Dieu. Yes. Yes, sir. Glory. Yes, sir. Amen. In our behavior, our lives, notre comportement, notre vie dit ce que nous sommes. Nous sommes dans le message, mais nous voulons une satisfaction complète et la perfection. Est-ce correct? Nous avons été sous un silence du septième sceau, un réveil, une période, croyant ce message des sept sceaux. Nous essayons de confesser nos péchés, nous essayons de rencontrer et faire face à chaque exigence que nous lisons dans le message, la Bible. Et cependant, nous semblons de ne jamais avoir expérimenté un accomplissement. Il y a une rumeur qui circule que vous n'allez pas y arriver. J'ai entendu la rumeur en ville qui circule. Mais ça, c'est un mensonge. Parce que vous y êtes déjà arrivé. Vous... Dieu vous a laissé contourner votre théophanie et vous a envoyé ici-bas pour, sur un terrain d'épreuve pour être testé, éprouvé, pour être éprouvé. Alléluia! Gloire à Dieu! Quel démon va vous arrêter? Oubliez les rumeurs. Oubliez ces démons dans ton esprit. Vous êtes déjà arrivé. Vous êtes déjà glorifié. Glory! Glory to God! Hallelujah! Yet we never seen this. Nous semblons ne jamais expérimenter un accomplissement, mais que cela descende profondément à CL. Si vous avez rencontré les exigences de Dieu dans votre cœur, vous croyez qu'il est. Dieu ne fait que tester votre foi des sept tonnerres dans sa parole promise parce qu'il aime faire cela. Alors, votre foi des sept tonnerres se repose juste là. Comprenez-vous? Job a traversé, ils ont tous traversé cela. Ils n'ont rien attendu. Job avait un sacrifice, une inspiration. Il a attendu là. Et soudain, le tonnerre a retenti. Et nous sommes là maintenant à attendre. Nous ne bougeons pas. Rien ne m'ébranlera. Rien. Rien ne m'ébranlera. Jusqu'à ce que ça arrive. Et je sais que ça peut arriver. Parce qu'en 1983, le Saint-Esprit s'est déversé. Hallelujah. Et ce même Saint-Esprit va se déverser à nouveau. Glory. Yes, sir. So in this seventh seal, donc, en ce silence du septième sceau, cette période. Du silence. Tout ce qu'il fait dans ces 30 dernières années ou quoi que ce soit, il veut que vous soyez certain qu'il est Dieu, la parole. Donc, il permet, vous, même sans le Saint-Esprit, de traverser toutes ces épreuves et toutes ces choses. Et cependant, vous arrivez, vous êtes quand même arrivé à venir ici aujourd'hui. Hein? Chacun d'entre vous, vous avez traversé ceci, cela, vous avez traversé ceci, mais en quelque sorte, vous êtes arrivé, vous avez pu arriver ici aujourd'hui, parce que vous deviez être ici aujourd'hui. Vous êtes né pour être ici aujourd'hui. Vous avez été créé pour être ici aujourd'hui. Aucun démon ne peut vous empêcher. Gloire à Dieu. Pourquoi celui qui est en vous est plus grand que celui qui essaie de vous arrêter? Plus grand, plus vite, plus puissant, plus tranchant qu'une épée à deux tranchants. Cette parole de Dieu en vous, gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah.
Yes, sir. So God only wanted to be certain. Donc Dieu veut seulement être certain qu'il y a un peuple juste ici à New York, en dépit de tout ce que disent les critiques, qu'ils soient certains que Frère Branham a dit sept tonnerres vont rassembler cette épouse, vont lui donner la foi, vont lui montrer comment se préparer le réveil de l'épouse. Attendez que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix. Vous êtes positif là-dessus. Vous êtes certain de cela. Et maintenant, Dieu sait que vous l'êtes. Et maintenant, il est prêt. Alléluia. Dites-le dans les journaux demain. Le Saint-Esprit, la dynamique est prêt à se déverser à New York City. Chassez Clinton de là. À Washington, et dégagez la première page. Mettez-le dans le Times, dans le Newsweek, dans le Mirror, peu importe les nouvelles. Dans le Post, mettez-le là. La dynamique est prête à tomber à New York. La dynamique tombe à New York. Les infirmes marchent, les aveugles voient. Les cancers sont maudits. Et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et les familles s'en viennent. Alléluia. Glory. Oh, hallelujah. He knows you know. Il sait que vous savez. Et maintenant, vous êtes prêts. Il sait que vous êtes prêts maintenant pour Jean 15, 7. Vous demeurez en moi. Il sait cela. Vous l'avez fait. Et mes paroles demeurent en vous. Il sait cela. Il sait. Alors, demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Parce que votre semence est mûre. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? La semence en vous est mûre. Je parlais là le 3 juillet. Je pensais avoir les notes, mais je n'avais pas. J'ai marché de ce côté-ci et j'ai dit, le Seigneur vient de me dire que la semence est mûre en vous. Je ne savais pas ce que je disais. Amen. J'ai appelé Frère Musgrove. Il m'a dit que un frère, un ex-baptiste, il y a environ 5 mois, a dit, Frère Musgrove, je ne sais pas, Frère Coleman, il a dit tu ne connais pas Frère Coleman. Il a dit, je ne suis jamais allé dans vos réunions auparavant, mais ce n'était pas Frère Coleman qui parlait. Il a dit quelque chose, quand ces paroles ont été parlées, c'est allé dans mon âme. Et Frère Musgrove l'a fait témoigner. Il a électrifié l'Église. Le Saint-Esprit m'a dit, il a dit, j'ai choisi un ancien baptiste qui n'était pas dans tes réunions, qui ne sait rien du blé, de la balle et toutes ces choses. Et maintenant, c'est ton témoin. Les semences sont mûres. Ils sont mûres dans leur compréhension. Ils sont prêts à recevoir l'eau. L'eau. Ils sont prêts à recevoir la parole. Ils sont prêts à aller vers l'ange. Donne-moi le livre. Ils savent qu'ils peuvent être guéris. Ils savent qu'ils peuvent être scellés. Ils le savent. Ils sont mûrs. Et vous avez été dans un cours d'entraînement, de formation dans la parole. Et si vous êtes certain de Dieu, alors Dieu est certain de sa parole. Dieu est assis dans sa chaise versante maintenant même, si on peut dire, regardant juste en bas ici, regarde mon peuple. Il dit, finalement, ils sont arrivés à une maturité. Finalement, ils sont parvenus à une compréhension qu'ils sont l'épouse. J'ai même amené Damaris de la Géorgie. J'ai amené Tom Wing ici. Le fils de sœur Wingate veut venir. J'amène tous ceux que je veux amener. Personne ne peut m'arrêter. Je les ramène. Alléluia. Reviens. Même si vos péchés sont comme le amoisi, dit Esaïe, ils seront blancs comme neige. Alléluia. Glory. Oh, ho, ho, ha. Hee-ha, yeah, hey, praise God.
Donc, si vous êtes certain de Dieu, Dieu est certain de sa parole. Il n'a fait que vous tester pendant toutes ces années, comme il a testé Noé et Abraham et Job et tous les autres, les trois Hébreux et Daniel. Il les a testés. Et ainsi, il vous a testé, vous. Il a testé le prophète qui est venu avant vous. Et chaque fils de Dieu qui vient à Dieu doit être testé. Donc, gloire à Dieu. Réjouissez-vous! Réjouissez-vous! Le jubilé est ici. Nous sommes libres dans le jubilé. Quand un homme garde la parole de Dieu et ce qu'il dit, demande de faire, alors cet homme est certain que Dieu est cette parole. Alors Dieu doit répondre dans cette heure. Pourquoi? La foi l'appelle, le fait entrer en scène à chaque fois. Alléluia. Quelle chose merveilleuse de savoir que nous pouvons partir d'ici par la foi. Quand les gens ne sont pas certains, ils manquent de quelque chose. Frère Branham dit, ce jour-là au calvaire, vous pouvez vous asseoir. Il dit, quand ils ne sont pas satisfaits, ils ne manquent quelque chose, page 9. C'est la raison souvent aujourd'hui qu'un pécheur toujours errant ou se pose des questions. Une belle fille va se couper les cheveux pour être populaire, pour mettre du maquillage, pour être plus jolie, mettre des vêtements qui révèlent les formes de son corps. C'est la seule chose qu'elle arrive à trouver. Trouver quelque chose, essayer trouver quelque chose qui revienne à elle. Mais elle peut que les hommes sifflent, flirtent avec elle. Les jeunes hommes feront la même chose aux femmes, essayant de se rendre attirant pour elles. Les voisins vont arranger leur maison d'une certaine façon parce qu'elle a l'air un peu plus belle que celle des voisins. Toujours, nous recherchons quelque chose et quelque chose un peu plus au-dessus. Mais Dieu merci, c'est pas un petit plus, c'est pas au-dessus, mais c'est juste ici. Les jeunes dames vont essayer de trouver une autre dame, qu'une autre dame est plus populaire qu'elle. Les voisins vont trouver qu'une maison qui est plus belle que la sienne. Une femme va trouver une autre femme qui est vêtue d'une certaine façon, qui paraît mieux qu'elle-même. Quelque chose en nous qui recherche quelque chose. Et cela montre que nous sommes perdus. Nous voulons trouver cette chose qui va nous amener à une satisfaction, qui va remplir cette faim. Et il semble qu'on n'arrive pas à le trouver. Les êtres humains ont essayé à travers les âges. Ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient faire, mais cependant, ils ne l'ont pas trouvé. Errant à travers le monde. Finalement, un jour, c'est le jour au calvaire, il y en a un qui est descendu de la gloire, un nommé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu de la gloire. C'était le jour où le prix fut payé. La question du péché fut réglée pour toujours. Il a ouvert le chemin vers la chose que nous désirons. Cela a amené un endroit de satisfaction. Aucun homme qui a visité le calvaire, qui l'a vu comment il était, qu'il puisse demeurer le même. Tout ce qu'il a désiré et rencontrer quand il arrive à cet endroit. Avez-vous eu votre calvaire? Alors, Dieu est prêt à faire ce qu'il veut avec vous. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Voilà l'Église, voilà votre satisfaction. Et en Christ, vos péchés qui sont pardonnés, sanctifiés, remplis du baptême du Saint-Esprit. Quand vous arrivez à cet endroit, alors vous expérimentez la réalité infaillible du Dieu vivant dans l'épouse vivante. Vous savez qu'il va vous répondre parce que vous êtes son enfant. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit vous donne une réalité dans votre âme. L'expérience de Pentecôte vous donne une réalité de Dieu. Vous avez trouvé quelque chose qui est venu à la vie
en vous. Qu'est-ce que c'est? C'est cette semence, parole, germe, placée en vous avant la fondation du monde. Les credos, les dénominations, les églises ne pourront jamais satisfaire une âme affamée. Pourquoi? Parce que vous êtes prédestiné à chercher la vie. Alléluia! Vous n'avez pas toujours été ici. Gloire à Dieu. Nous devons contourner notre théophanie. Amen, je l'ai déjà mentionné. Mais en allant vers l'ange pour demander le petit livre, chaque parole du livre, afin d'être formé à l'image parole, pour être un participant de la parole, vous nourrir de la parole en étant prédestiné depuis le commencement, vous avez joint, essayé ceci et cela, mais un jour, vous avez reconnu. Et je prie aujourd'hui que vous le reconnaissiez aujourd'hui. Oh Dieu, je dois arriver à cet endroit. Et maintenant, vous n'êtes pas satisfait jusqu'à ce que vous ayez reçu son esprit. Je vais prendre le temps de le lire. C'est ce qu'il m'a dit de faire. La réalité infaillible du Dieu vivant, page 11. Jésus a amené Dieu, la vie humaine. Dieu a été fait humain. Quand Jésus est né, Dieu est devenu homme afin qu'il puisse avoir communion avec l'homme et en l'homme. Pourquoi? Pour accomplir un but, d'amener à l'homme ce que Dieu est. Jésus a fait cela. Pas ce qu'est l'Église, mais ce qu'est Dieu. Jésus est venu afin de présenter Dieu à l'homme et l'homme n'en voulait pas. Le Saint-Esprit vient aujourd'hui de façon semblable pour présenter Dieu à l'homme, mais l'homme, lui, veut aller à l'Église. Cela dépasse sa pensée, ne peut pas le saisir. Nous devons comprendre que Dieu n'est pas connu par une conception intellectuelle, mais on connaît Dieu par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit, pas par une autre façon. Jésus, la Bible a plein de citations là-dessus. Aucun homme ne peut appeler Jésus le Christ sinon par le Saint-Esprit. Et si jamais vous recevez le Saint-Esprit, vous ne savez pas qu'il est Christ, car c'est la seule façon qu'il se révèle lui-même. Il se révèle lui-même à travers Christ, sous la forme du Saint-Esprit en vous. Autrement, c'est intellectuel. Après que vous soyez converti, il a dit à Pierre, fortifie tes frères. C'était le soir de la trahison, qu'il n'était pas encore converti. Aucun homme n'est vraiment converti jusqu'à ce qu'il ait été changé, qu'il soit mort à lui-même, et que le Saint-Esprit ait le contrôle de cette personne. Ils ne veulent pas le faire. Maintenant, le Saint-Esprit ne va pas mal se comporter dans une personne et bien se comporter dans une autre. D'une autre façon. C'est pour ça que je dis, ce comportement, c'est sa personne. Quiconque est avec le Saint-Esprit, alors vous avez sa personne. Vous allez vous comporter de la même façon. Amen. Il n'y aura plus de disputes, d'histoires, de commérages, de disputes, de quoi que ce soit. Amen. Il va faire chaque personne venir dans son caractère. 2 Pierre 1, 4 à 7. Il va vous faire venir à cela. Il va vous faire ajouter à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, ainsi de suite. Amen. Parce que c'est un esprit qui vous conduit. Il vous amène et vous rend assujetti à sa nature. Vous ne l'amenez pas assujetti à votre nature, mais à sa nature. Quand le Saint-Esprit vous fait vivre et aimer le faire. Oh, regardez, vis, mon frère, vis. Vous aimez abandonner les choses du monde. Et je n'ai pas entendu amen là-dessus, là. Je vais le dire à nouveau. Oh, combien vous aimez abandonner les choses du monde. Ah! Quand le Saint-Esprit entre, il vous nettoie, il vous lave, il place un désir de le suivre, une soif, une faim pour recevoir plus de lui. Il vous baigne, il amène une réalité. Hallelujah. Après que vous soyez né de nouveau, vous avez faim et soif pour avoir plus de Dieu jusqu'à ce que vous soyez parvenu à cette perfection. Bien, Église. Hey, amen. Friends. Mes amis, la fin du monde est ici et nous voyons les signes chaque jour.
Therefore, I am constrained. Donc, je suis poussé à prêcher le baptême du Saint-Esprit, à vous prêcher le baptême. Vous devez le recevoir en cette heure. Faim, ayez faim, soif de cela. Et quand vous aimez Dieu tellement, vous aimez son peuple, la grâce souveraine, dans cette heure de jugement, va projeter le baptême du Saint-Esprit pour vous faire vivre et aimer et être un vrai chrétien. Alléluia! Hallelujah! Sha. Hallelujah! The sovereign grace la grâce is here. Souveraine est ici. Therefore, as the prophet said, le prophète a dit, deity of Christ. La divinité de Christ. Amen. Page 4. Page 4. God, the Holy Spirit has taken le Saint-Esprit prend position. Le Saint-Esprit prend position. Il vient comme un flèche, je lève un étendard contre lui. C'est juste. L'Église a pris sa position. Je veux dire l'Église du Saint-Esprit. Maintenant, c'est tout ce qui m'intéresse, mes amis, quand je suis ici. À l'extérieur, je prie pour les malades, mais ici, je suis intéressé dans une seule chose. Et c'est l'Église née de nouveau, de Dieu. Voilà ce qui m'intéresse. Je ne suis pas intéressé dans les règlements, les diacres et ces choses-là. De l'Église, je suis intéressé dans le baptême du Saint-Esprit sur l'Église pour ce jour dans lequel nous vivons. C'est la partie fondamentale. Est-ce que ce que nous recherchons et sur cette troisième phase, c'est tout ce qui m'intéresse. Je suis intéressé dans le baptême du Saint-Esprit sur cette Église. C'est tout. Et je vais prêcher le baptême du Saint-Esprit dans cette Église jusqu'à ce que tout le monde l'ait reçu. Amen. Yes, sir. Maybe seated. Vous pouvez vous asseoir. Une petite citation et j'aurai fini. Page 14. Chers frères et sœurs, si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit ce matin, courez dans le royaume de Dieu aussi vite que possible. Le temps de scellement est en cours. L'ennemi vient comme un fleuve, il est prêt. La scène est prête. L'Église rentre à la maison. Vous n'avez pas beaucoup de temps à attendre, mes amis. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous feriez mieux de venir maintenant. Vous feriez mieux de le faire aujourd'hui, c'est juste. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui est présent. Faites-le maintenant. Le monde qui s'écroule, Shreveport, il parle, je vais essayer de résumer, à chaque 2000 ans, 1964, Frère Paul m'a donné une citation là-dessus. Amen. Même chose. Yes, sir. The work still has got to be l'œuvre cut short. Doit être abrégée. Jésus a dit, les élus seraient séduits, ne seraient pas sauvés si c'était possible. Voilà. Donc où en sommes-nous? Nous voyons les nations qui se disloquent, Israël qui se réveille, les signes que la Bible a prédit pour ce jour. Nous voyons la chose mécanique se produire. J'ai passé une heure à vous en parler. Mais maintenant, l'esprit, la dynamique de cette parole promise, d'entrer dans son église et les conduire au calvaire là-bas et en l'enlèvement. Voilà. Frère Paul m'a donné une citation ici. Trois sortes de croyants, page 46. Même s'ils ne donnent pas la puissance de marcher comme Enoch, il n'a pas à mourir et après une marche, un après-midi pour rentrer à la maison de Dieu. Je crois que ça va arriver parce que je sais qu'il doit y avoir un enlèvement dans les derniers jours. Père, 36 années de plus, c'est en 1963, et l'œuvre sera terminée, et tu devras venir un jour dans cela, sinon il ne restera aucune chair d'épargner. Donc il doit venir. Donc je ne vais pas attendre après quelqu'un d'autre. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Je prêche à l'église ici. Amen. Yes, sir. Have your day at Calvary. Ayez votre jour au calvaire. So friends, mes amis. Amen. Okay, friends, let me strike my thought and get out of here. Praise the Lord. Touchez ma pensée et ensuite terminer. Just made it. J'y suis arrivé. Praise God. I didn't think I'd make it. Je ne pensais pas y arriver.
Saint Jean 14:12. Très bien, messieurs. La manifestation de faire les plus grandes œuvres de Jésus-Christ. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? L'Esprit les pauvres disent bien. Question. Qu'est-ce que signifie faire les plus grandes œuvres de Jésus-Christ? Laissez-moi vous donner un petit témoignage. Dans une convention, le 3 juillet, ligne de prière, avant de partir de New York, la semaine avant, j'ai fait le message. Il a dit, ne mets pas le point culminant. Chaque ministre sait de quoi je parle. Il a dit, laisse-le jusqu'à ce que tu arrives à la convention. Bien sûr, il y avait trop de communion. J'étais stressé. Mercredi, 3 réunions et tout le reste. Il a dit, reste dans ta chambre jeudi et vendredi. J'ai demandé à la colonne d'amener les repas pour m'éloigner des gens. Ma femme est allée à la réunion vendredi. Il a dit, maintenant, je vais te donner le point culminant. Donc j'attendais. Il a dit, maintenant, dis au monde que les œuvres de Christ ont été accomplies dans cette église depuis 1963. J'ai entendu toutes ces folies. Parle la parole, fais ceci, fais cela. Il a dit maintenant, dis-leur au sujet des morts ressuscités. Dis-leur au sujet de Jeffrey. Il ne savait rien au sujet de Jeffrey parce que c'était le dernier jour. Tout le monde était parti. Dis-leur les différentes choses. J'ai même oublié de leur dire. Dieu a créé aussi. Sœur Leona Wimple. Amen. March 20th. Le 20 mars. She was prayed for. On a prié pour elle. Son chiropraticien au New Jersey a dit qu'il n'y avait pas de disque dans son dos. She moved to Long Island. Elle est déménagée à Long Island. Pour ce chiropraticien l'a envoyé vers un autre, une dame à Long Island. Et là, elle a pris d'autres radiographies. Après la prière, le 20 mars 1984. Un disque a été créé. But I didn't tell them that because je ne l'aurais pas dit parce que cela aurait pu les étouffer. So he told me. Donc il m'a dit de like l'expliquer and comme cela, so de le dire comme cela. I remember, non. This message souvenez-vous, came ce message m'est venu May 17, le 17 mai down in Ochos Rios. À Ochos Rios, 8 rivières en Jamaïque. J'étais là en 1975, j'étais pas à Ochos Rios, mais j'allais là, il n'y avait rien là, mais j'allais là pour prier. Il m'a dit certaines choses à Ochos Rios, en Jamaïque, je n'ai jamais pensé y retourner. Mais frère Carl Caesar qui était ici, il connaît le gérant. Donc il a dit qu'il parlerait pour m'avoir un bon prix. Donc j'ai pensé que c'était à Negril quelque part, mais c'était juste là à Ochos Rios. Et le dimanche, le 17 mai, il m'a donné cette pensée. Le 17 mai, j'ai dit, Seigneur, devrais-je prêcher à la convention? Il a dit non. Tu as déjà la manifestation de la foi. Donc j'étais prêt pour que le Saint-Esprit tombe. Une semence pour la troisième phase, mais la foi sera manifestée. Le même. Le même. Amen. So, I went, donc, and I laid it je suis allé, j'ai tout apporté. Il a dit de dire ça en témoignage avant la prière. Quand je suis arrivé à Sœur Wingate, Ruby Wingate. J'ai demandé, sœur Ruby Wingate, ne m'as-tu pas appelé pour me dire que ta fille était morte? Elle était à l'urgence. C'est tout ce que je me préparais à dire, mais le Saint-Esprit a tout retourné. J'ai dit, sœur Ruby Wingate, tu as vu les œuvres de Dieu. Et j'ai fait un tour. Jésus a dit, les œuvres plus grandes feraient parce que je m'en vais au Père. À mon Père. Juste là, le Saint-Esprit a séparé et révélé ceci.
Donc, nous avons fait les œuvres de Christ, même parlé la parole comme cela, créé un disque dans le dos de Sœur Wimple et plusieurs autres témoignages. Frère Hunt pourrait vous le dire. Donc, de qui vous vantez? Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qu'essayez-vous de faire? J'édifie la foi. Paul Gold et Sœur Laura et les autres. Voilà ce que je fais. Yes, sir. So is this the Ruby Wingate? Non, sir, Ruby Wingate. That wasn't me. C'était pas moi. That was Jesus Christ. C'était Jésus Christ. That wasn't even my mind. C'était même pas dans, dans ma pensée. C'était pas dans mes notes. Je savais que j'allais le prêcher plus tard, mais il est descendu, l'ouvrir. And I turn around. Et je me suis retourné. J'ai dit, des œuvres plus grandes vous ferez. Et j'ai dit ce que c'était. Transmettre la vie éternelle. Remitting your sins. Remettre les péchés. They didn't know what was going on. Ils ne savaient pas ce qui se passait. So then he said, the seed is donc, il a dit, la semence est mûre. Okay. Well, hallelujah. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. I'll be finished. Give me just about 10 donnez-moi minutes, encore 10 minutes so I can get out of here. Okay. Afin que je puisse partir what d'ici. Is doing the greater works qu'est-ce que c'est Christ? Que de faire les plus grandes œuvres de Jésus-Christ? Maintenant, je le ramène. Dans le message, parce que là, ça a simplement été parlé comme ça. Donc, je vous l'ai dit, le témoignage, c'est comme ça que c'est venu. C'était fait à New York pendant des années. Il m'a dit d'ajouter comment le faire, d'ajouter 70 aux disciples et tous les grands évangélistes. Oui, je vais le lire. Celui qui croit en Christ peut faire les plus grandes œuvres. Vous n'avez pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour faire les plus grandes œuvres. C'est ça qu'il m'a dit d'ajouter les 70 qui sont partis. Ils étaient un type de ces évangélistes modernes qui sont partis. Vous voyez comment il le fait? Page 19. Ce jour-là au Calvaire, surveillez Jésus. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Les œuvres plus grandes, vous ferez parce que je m'en vais à mon Père. Je ne dis pas cela tellement à l'Église ici, vous comprenez, mais ces messages sont enregistrés, des dizaines de milliers de personnes les entendent autour du monde maintenant. En autant que je me souviens, dans votre ordinateur, vous les frères, vous pouvez rechercher, vérifier. La première fois que j'ai entendu Frère Branham dire cela, c'était en 1960, ce jour-là au Calvaire, la série de la Révélation. En autant que je me souvienne, il disait toujours, plus grande. Je suis allé dans le lexique grec et cela veut dire plus. Plus, parce qu'il y a plus de disciples. Voyez? Donc, c'est ce que j'en savais, ça veut dire plus. En 1960, voici ce qu'il a dit ici. Il a dit, je vais répondre à cette question pour les critiques. Vous croyez la Bible? Jésus a dit, ces œuvres que je fais, vous les ferez vous aussi. Et ils en fait les plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Jésus a remercié le Père d'avoir caché cela aux intelligents, aux sages, et qu'il le révèle aux enfants, ceux qui veulent venir au Calvaire. Jésus dit, surveillez comment il l'a dit. Les œuvres que je fais, il les fait maintenant même. Les œuvres que je fais maintenant, guérir les malades, ressusciter les morts, ouvrir les yeux des aveugles, ces œuvres, vous les ferez vous aussi. Surveillez. Vous faites ces choses si vous croyez en moi. Vous ferez ces œuvres. Vous voyez ce qu'il a dit? Donc les 70 ont fait, les disciples l'ont fait, et tous ces évangélistes l'ont fait à travers les années, ils l'ont fait. Parce qu'il a dit, si vous croyez en lui, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous n'avez pas besoin d'être un ministre. Vous pouvez être un frère qui croit. Plusieurs l'ont fait dans plusieurs pays. Amen. Encore un peu de temps, le monde ne verra plus. Et cependant, vous me verrez, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas seul, je prierai le Père et vous enverrai un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas recevoir. Cependant, vous pouvez le recevoir. Remarquez, les œuvres plus grandes
c'était d'avoir la puissance dans l'Église. Pas seulement de guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. Comprenez-vous maintenant? Sir Ruby Wingate, tu as vu les œuvres de Dieu. Mais si... Si vous croyez ce que je dis, vous ferez des plus grandes œuvres, vous aussi, parce que je m'en vais au Père, à mon Père. Et c'est transmettre la vie éternelle. Et ça ne pouvait pas venir jusqu'à ce que la semence soit mûre. Donc c'était la plus grande chose pour moi quand il m'a dit que la semence est mûre. Quelques jours plus tard, je suis arrivé à la maison. Il a dit, pensais-tu que j'allais déverser le Saint-Esprit sur toute l'incrédulité dans les tonnerres? Il a dit non. Il m'a dit pourquoi? Il m'a dit que la semence n'héritera pas avec la balle. Ils n'auront aucune part de votre héritage. Parce que certains font semblant de croire. Autrement, ils ne parleraient pas contre vous comme ça. Parce que ce n'est pas son comportement. Son comportement, c'est sa personne. Hallelujah. So, heals, okay, that's what Calvary meant. C'est ce que signifie le calvaire. To impart eternal life to believers. Transmettre la vie éternelle aux croyants. The Holy Ghost was coming, le Saint-Esprit venait donner à l'Église life. Pour transmettre la vie. Oh, that's what Calvary meant. Voilà ce que signifie le calvaire. Il a pris des hommes et des femmes dégradés, les a les amenés à un endroit pour être des fils et des filles de Dieu, pour guérir les malades, transmettre la vie éternelle en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants, des hommes, autrefois des incrédules qui deviennent des croyants, transmettre la vie spirituelle éternelle. Combien de grands? Cette femme malade ici, je peux prier la prière de la foi, elle sera guérie. Les œuvres de Christ, c'est une grande chose. C'est ce qu'il faisait alors. Mais, il dit, plus grand que ceci, vous ferez. Je vais vous donner la puissance, pas seulement de les guérir pendant un temps, mais de leur donner la vie éternelle, qui sera éternelle pour toujours. Aveugle, pauvre, misérable, comment? Manquez-vous cela? Ne voyez-vous pas ce qu'est la plus grande chose? C'est la plus grande chose qui puisse arriver, c'est de transmettre la vie éternelle aux gens. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui. Transmettre cela aux autres. Un homme peut-il faire cela? Un fils de Dieu le peut. Jésus a dit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux qui vous garderez les péchés, ils seront gardés. Comment les péchés ont-ils été pardonnés dans la Bible? Pierre a posé la question au jour de la Pentecôte. Il a dit, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Comment pouvons-nous recevoir ce que vous avez? Il a expliqué, il a donné la prescription. Il a dit, repentez-vous, chacun d'entre vous, envers Dieu, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? La rémission de vos péchés. Voilà les plus grandes œuvres. Voilà les plus grandes œuvres. Combien de prédicateurs ce matin? Vous écoutez ma voix sur les bandes magnétiques. Allez au calvaire ce matin et regardez ce que Dieu a fait là pour vous. Et oubliez vos credos dénominationnels et prêchez l'Évangile. C'est entre vos mains. Qu'en ferez-vous? La repentance, la rémission des péchés doit être prêchée en son nom à tout le monde, en commençant par Jérusalem. Hallelujah! Que signifie le calvaire? Qu'est-ce que ce jour-là a fait pour vous? Est-ce qu'il vous a gonflé de théologie? Est-ce qu'il vous a, fait de vous un chrétien? Les péchés pardonnés, les œuvres plus grandes que vous ferez. Vous voyez qui vous êtes, n'est-ce pas? Les œuvres plus grandes que celles-ci. Remettre les péchés dans le nom de Jésus-Christ. Sommes-nous arrivés à ce temps? Est-ce là où nous en sommes? Les œuvres plus grandes. Vous le croyez ou quoi? Amen. Donc les œuvres plus grandes, c'est de pardonner les péchés, de transmettre la vie éternelle. Amen.
In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ananias. Ananias. He remitted Paul's sins. Il a remis les péchés de Paul. Is that correct? N'est-ce pas? Philip. He remitted the Ethiopian eunuch sins. Remis ou pardonné les péchés de l'éunuque éthiopien. Dieu a interrompu un réveil en Samarie et a envoyé Philippe là-bas en Afrique pour remettre les péchés d'un seul homme parce qu'il savait que cet homme-là allait amener la chrétienté en Afrique. Malachi 4 a remis les péchés. Comment cela a été fait? Ils avaient tous le germe, le message, la parole en eux. Voilà comment un enfant peut naître. Voilà comment ça a été fait dans l'âge alpha apostolique. Et Malachi 4 l'a restauré. Cette épouse est-elle parvenue à cette heure, cette épouse Oméga, avec les germes, semences, paroles, le message, la parole en eux, où les ministres peuvent se lever comme Pierre en Actes 10, 44, comme Pierre prononçait ces paroles. Le Saint-Esprit descendit sur ceux qui entendaient la parole de Dieu. Ils avaient été vers l'ange, ils croyaient tout ce que l'ange avait dans le livre, et Pierre s'était levé. Alors que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est descendu. Nous sommes dans cette heure-là maintenant. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui pour vous placer dans l'heure. Quelque chose s'est passé. C'est un de mes plus grands jours. C'est le 20 septembre. Nous sommes le jour où j'ai entendu les sept tonnerres sur les sept voiles des étages d'église. C'est le jour, le 20 septembre 1981. Seigneur, qu'est-ce que je recherche? J'essaie de comprendre le livre de la vie. Il m'a dit Elohim, la pensée, le logos l'a parlé. Alors je le tenais. Il a mis votre nom dans le livre au fond de la pensée. Et le moment où c'est sorti, le logos est sorti, l'agneau fut immolé. Et son sang a été aspergé pour vous et moi. Hallelujah. But are you catching what I'm saying? Comprenez-vous ce que je dis? Have we reached this hour? Sommes-nous arrivés à cette heure-là? Ils vont entrer ici. The people are sanctified. Les gens sont sanctifiés. They're hungering. Ils ont faim. They're thirsty. Ils ont soif. They want satisfaction. Ils veulent une satisfaction. And the man of God walk out. Et l'homme de Dieu vient, parle la parole, et le Saint-Esprit tombe sur ceux qui entendent la parole. Baptized with the Holy Ghost. Baptise du Saint-Esprit et de feu. Hallelujah. Hallelujah. And the Holy Ghost is a token. Et le Saint-Esprit, c'est le signe that the blood's been que le sang a été appliqué because it follows parce the blood qu'il suit all le way signe from the book of Redemption. Tout le long depuis le livre de la rédemption. Amen for this day. Pour ce jour. Every age he followed that chaque âge, il le suit. You know what I'm saying? Il l'a suivi. C'est vous ce que je dis, le Saint-Esprit, le signe dans cette épouse Alpha. Sur la troisième phase, maintenant, il est ici pour s'assurer que votre nom est manifesté. Le diable ne peut pas l'empêcher, frère. À chaque âge, il s'assure que la semence soit manifestée. Hébreux 11, 39, 40. Eux, sans nous, ne peuvent pas être parfaits. Donc, nous devons parvenir à la manifestation de faire les plus grandes œuvres de Jésus-Christ, sceller l'épouse en transmettant la vie éternelle et remettre les péchés. Laissez-moi terminer maintenant. OK. Amen. Peut-être une petite illustration et j'aurai fini. Amener l'épouse à la perfection. La charité, c'est comme un notaire public. Vous savez ce que c'est? Il est un officiel, un officier autorisé à certifier des documents ou à prendre des dispositions, des affidavits. Donc, un type, notre notaire public, c'est la charité et le Saint-Esprit. Amen. He is the official. Il est l'officiel, l'officier qui est autorisé à certifier, à tester votre nom dans le livre de la vie en vous. Votre nom, c'est le véritable document ou l'affidavit. C'est ici. Yes, sir.
is in the, right in the book he's holding. Juste là, dans le livre qu'il tient. Votre nom est là, écrit là. So, and only the Holy Ghost knows. He's the notary. Seul le Saint-Esprit sait, il est le notaire. Amen. And he knows your name is a true document. Votre nom est le vrai document, l'affidavit. So he takes his seal. Donc il prend son sceau. Holy Spirit. Le Saint-Esprit. And presses the seal into your heart. Imprime son sceau dans votre cœur sur la signature de votre nom. Amen. Amen. Until every promise jusqu'à ce que chaque promesse dans l'affidavit de la vie de Jésus-Christ soit formée en vous, et là, vous devenez la divinité, transmettant la vie éternelle. Jésus-Christ marchant sur la terre, la divinité est descendue au jour de la Pentecôte. Les hommes ont été régénérés, devenus de nouvelles personnes scellées dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. La vie de Christ imprimée en eux. Toutes les habitudes immorales, les beuveries, tout est sorti. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu, c'est comme un notaire public qui prend le sceau et qui l'imprime jusqu'à ce que l'inscription du sceau soit imprimée sur le papier de votre signature. Et un sceau se montre et visible des deux côtés. C'est ici, et le sceau à l'intérieur sort vers l'extérieur. Il est manifesté comme un signe. Under the presence, sur la présence of Jehovah, de Jéhovah, walking through the streets, marchant sur les rues, guérissant les malades. Well, praise God. Eh bien, Dieu soit loué. Hallelujah. Oh my. I gotta walk. Il faut que je marche. Yes, sir, brother Joey. Oui, monsieur, frère Joey. I prayed for this, j'ai prié pour ceci. And I said, et j'ai dit, if I see him, si je le vois, I'm gonna talk to him. Je vais lui parler. Praise God. So now when Christ, quand Christ signe your name signe on votre the nom book of life, dans le livre de la vie, and the Holy Spirit presses le Saint-Esprit l'imprime là-dedans jusqu'à ce que la vie de Christ soit formée en vous, deity, la divinité. Men and women and hommes, sons and femmes, daughters, fils et filles, growing in grace and healing grandissant for dans la grâce, la guérison pour notre corps et tout le reste. Here, l'Église, nous y sommes. Getting in the spirit. Maybe that's one quote une citation, j'en ai d'autres, je dois abréger. Entrant dans l'esprit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Prêcher right. de grandes œuvres. And do the lesser works. Venez, faites de plus petites œuvres, voici la plateforme. Let me see you do the works and go preach the gospel. Allez prêcher l'Évangile. You do the greater works. Alors vous faites les plus grandes œuvres. Jésus ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit parce qu'il n'était pas encore venu. J'ai dit ceci dans la bande de mercredi. C'est les plus grandes œuvres, certainement. L'Église doit prêcher le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous avons fait des années d'enseignement de l'enseignement de la mécanique. À partir de maintenant, nous allons prêcher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus a dit qu'il venait, et l'Église, là, en disant, nous l'avons, c'est pour vous. Vous voyez, c'est plus grand, c'est vrai. Oh my. Now, greater works is also les œuvres plus grandes. Il continue, frère Dave Mack m'en a donné un homme qui peut allumer la lumière. Prêcher le baptême du Saint-Esprit, c'est les plus grandes œuvres. La même puissance, les signes, les prodiges, les miracles, la vie, l'Esprit accompagnent la prédication du baptême du Saint-Esprit, qui est les plus grandes œuvres. Les plus grandes œuvres, c'est aussi de prendre 5 pains d'orge et de les multiplier. Les plus grandes œuvres, c'est aussi de prendre 2 petits poissons, les multiplier. Les plus grandes œuvres, comme ils ont édifié, l'épouse va édifier. Et les plus grandes œuvres, c'est aussi d'arriver l'heure, juste comme ils sont prêts de tout fermer. Frère Branham a dit, surveillez alors le troisième pull. Mais nous nous préparons ici
D'ici jusqu'à là, de la foi jusqu'à la charité, d'ici jusqu'à l'adoption. Donc, ça ira de deux poissons, cinq pains dans le temps de Jésus, mais nous, nous avons cela plus ceci. Il n'y a aucun poisson. Il n'y a pas de pain ou de poisson. Il n'y a pas d'écureuil. Mais parle. Dis-le. C'est l'heure dans laquelle nous vivons. Parle à la tempête. Tempête, recule, le soleil brille pendant quatre jours avant que la main du médecin ne touche la tumeur de ta femme et sera partie. Je veux le salut de mes deux fils. Le Saint-Esprit est descendu dans la bâtisse. La parole parlée, le salut, parole parlée. Petit poisson, la résurrection, je te donne la vie. Les œuvres plus grandes. Et ça continue, et ça continue. Jusqu'à là, jusqu'où Jésus lui-même sera dans vous tous. Oh my, my. Alléluia. My, my, my. Well, I gotta get this in. The fourth seal. Le quatrième sceau. A lot of questions. Beaucoup de questions. On peut rester debout, j'ai presque fini. Plusieurs questions sur le cavalier au cheval blanc, qui est le cavalier au cheval blanc, et tout cela. 1974, j'étais au Canada. Et on m'a demandé de témoigner avant de partir. J'ai essayé de partir, mais tous les ministres étaient là. Donc, j'ai prêché le cavalier au cheval blanc. C'est comme ça que Frère Zygmar a eu la bande 2 ans plus tard. Il m'a demandé d'aller en Allemagne après avoir entendu la bande. Frère Branham, la prière de Frère Branham. Combien nous sommes reconnaissants, Seigneur, je suis si reconnaissant, si heureux pour toi et ton peuple. Tu as acheté notre salut au calvaire. Nous l'acceptons joyeusement, Seigneur. Maintenant, éprouve-nous, Seigneur, par ton esprit. Et s'il y a du mal parmi nous, Seigneur, une incrédulité dans la parole, s'il y a quelqu'un ici qui ne peut pas ponctuer chaque promesse de Dieu par un amen, puisse le Saint-Esprit, écoutez, descendre maintenant le cavalier au cheval blanc. Donc, qui est le cavalier au cheval blanc? Le Saint-Esprit. Ils ont toutes sortes de doctrines là-dessus, mais moi je m'en tiens à ce qu'il a dit ici. L'Esprit descend, le cavalier au cheval blanc, alors que son Esprit, l'Esprit de Christ, en face de l'Antichrist, et il appelle les siens. Appelle-les, Seigneur, que maintenant ils se repentent, qu'ils viennent rapidement à toi pour être remplis de l'huile et du vin, et d'être changés dans ce robe dénominationnelle pour revêtir une robe éternelle blanche donnée par l'époux. Et alors, ils iront au souper des noces un jour dans la parole confirmée de la résurrection. Accorde-le, Seigneur. Sonde les cœurs alors que les gens s'attendent à toi dans le nom de Jésus. Le seul endroit pourvu de l'adoration de Dieu, Shreveport. Ça ne fait que commencer à fleurir. La balle se retire. Aujourd'hui, la balle s'est retirée. Et la semence est complètement mûre et la moisson est venue. Gloire à Dieu. Nous pouvons faire les plus grandes œuvres. Vous croyez? La balle se retire afin que nous puissions sortir. Demeurez respectueux, continuez à prier. Souvenez-vous, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Je deviens vieux. J'ai pensé, y aura-t-il un autre réveil? Je verrai un autre temps. Souvenez-vous, de l'Ouest viendra un cavalier au cheval blanc. Chevaucherons ce sentier une fois de plus. Aussitôt que nous nous préparerons, c'est une promesse. Plusieurs doctrines là-dessus, évidemment. C'est toujours le cas. Mais je viens de vous dire qui est le cavalier au cheval blanc. Là, je vais donner un petit témoignage. Le 29 août
Brother Branham preaching Satan. Frère Branham a prêché l'Éden de Satan. Et juste vers la fin, il commence à chanter. Il commence à dire, nous surveillons la venue de notre Sauveur béni. Voici le figuier, maintenant qu'il devient vert. L'évangile de son royaume est allé dans chaque nation. Et nous sommes proches. La fin peut être vue, visible. Nous annonçons le message de son apparition bénie. Bientôt, il viendra dans la gloire. Réveillez-vous, saints du Seigneur. Pourquoi dormir que la fin est proche? Préparons-nous pour cet appel final. Et alors, il a dit, elle se tournera vers l'ouest. Elle se tournera vers l'ouest pour chevaucher. À nouveau, un de ces jours, souvenez-vous, elle le fera certainement. C'est juste. Elle se tournera vers l'ouest. Et les sept anges sont allés vers l'ouest. Amen. And that night, ce soir-là, la sœur de Sœur Coleman, sa mâchoire était finie. J'ai appelé les diacres au tabernacle le matin-là et j'ai demandé, pouvez-vous demander à Billy Paul de parler à son père, de l'appeler? Et ce soir-là, Frère Branham a téléphoné. Il a appelé, il a dit, Frère Coleman, c'est Frère Branham. Oubliez ça, là, j'étais parti. Je suis presque parti du téléphone. Frère Branham a appelé moi. Il a dit, Frère Coleman, il y a une sœur de votre église, elle est une croyante? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, très bien, prions. Vous savez, c'est pas, moi, je n'ai pas prié, j'étais trop complètement parti. Je ne pouvais pas prier, j'étais complètement... c'était trop. C'est lui qui a prié. Et la gloire de Dieu a rempli la pièce. Sœur Coleman est sortie de son lit, a revêtu sa robe. La présence du Seigneur était partout. Et là, Frère Branham a créé une nouvelle mâchoire. Amen. Et là, Sœur Lawson allait avoir une opération le 30 août, lundi matin, à 7 heures le matin. Ma femme a appelé l'hôpital et il avait déjà donné la sédation. Elle a dit, pouvez-vous lui dire que tout va bien, Frère Branham a prié. Ils l'ont amené dans la salle d'opération, le deuxième meilleur chirurgien, et deux ou trois autres chirurgiens, ils ont pris le bistouri, ils ont coupé, et il y avait une nouvelle mâchoire, un nouvel os qui était là. Les œuvres plus grandes que vous ferez aussi. Hallelujah. Glory to God. Frère, je sais de quoi je parle. Je sais pourquoi il m'a appelé dans cette bande. Il savait que je savais que je prierais pour n'importe quoi, pour n'importe qui. Amen. C'est pour ça que j'ai prié avec Sœur Wimple. Je savais qu'il avait déjà appelé et prié pour Sœur Lawson. Amen. La foi. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. So there we are, friends. Donc, voilà mes amis, nous y sommes, des œuvres plus grandes. J'ai terminé. Le quatrième sceau, je vous l'ai lu. L'Éden de Satan. Mes amis, vous savez que Dieu est ici. Vous n'avez pas besoin de plus de témoignages. Levez-vous, debout. Vous êtes debout. All right. L'ange et sa commission à Phoenix, en Arizona. Oh, levez-vous dans le nom de votre Seigneur. Réclamez votre privilège donné par Dieu. Parce que l'heure est ici pour vous, que vous soyez guéris. Amen, frère Paul. Sœur Laura, l'heure est ici que vous soyez guéris. L'heure est ici pour vous, les cas difficiles, d'être guéris. L'heure est ici pour vous, les rétrogrades, de revenir. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Yay. That's right. To glorify God. Pour glorifier Dieu. To receive his spirit and recevoir son esprit et ses bénédictions. 30 ans. Dieu ne reçoit pas de gloire. Maintenant, il a un peuple qui croit le message de ce prophète. Et maintenant, les aveugles vont voir, les infirmes vont marcher. Les morts sont ressuscités. Pourquoi? Pour glorifier Dieu.
Herein is my Father glorified. C'est ainsi que mon Père est glorifié quand vous portiez. Hallelujah. Quand vous portez beaucoup de fruits. Oh my. That's right, to glorify God. Glorifier Dieu. And receive of his spirit and his recevoir son esprit, ses bénédictions. Retrancher toute formalité. Retrancher toutes ces religions rituelles et entrer dans la sphère du Dieu vivant. Vous amène dans sa justice, dans l'adoration. En esprit, en vérité. L'heure est venue. Elle est ici où Dieu envoie son avertissement. Oh, praise God. Père, nous te remercions. Père, nous te louons. Oh, hallelujah. The cleft of the rock. Oh, in your presence, oh God. In your presence, that's where I belong. In your and let this life within me cry, I know my Redeemer. Oh, let's give him a shout of praise for what's gone forth tonight. PA, New York. Hallelujah. Hallelujah. Pennsylvania, New York. Seigneur, si on ne te loue pas, les pierres vont crier comme Job. Je sais que je sais que je sais. Ce soir, nous t'avons entendu, Seigneur. Laissez-moi témoigner. Laissez-moi. My Redeemer, my Redeemer.
Je sais qu'il vit dans mon épreuve quand je suis abattu. This life within me cry, I know my Redeemer lives. Oh Lord, you're beautiful, your face is all I see. Final time, oh Lord, you're so beautiful. Your face is all I seek. Oh, and when your eyes are on this child. Give him praise. Amen, amen, amen. This message, ce message was truly était vraiment a major seed to be planted for semence majeure. Planté pour cette troisième phase, il a donné le ton pour moi pour ces trois prochains services, comme notre pasteur a dit, pour nous consacrer nous-mêmes, racheter le temps, parce que pour moi, il a propulsé au calvaire. Si vous voulez cette satisfaction garantie, vous devez avoir faim et soif et pousser à bout pour la perfection, monter cette montagne, et vous êtes prédestiné à le faire. La seule façon que vous puissiez voir la manifestation de faire les plus grandes œuvres, c'est de mourir à vous-même. Mourir, est-ce que vous voulez mourir? Comment vous sentez? Ne vous y trompez pas. La semence est mûre. Cette bande était époustouflante. Parce qu'il a dit dans les commentaires il y a quelques semaines, la semence est mûre. La tête est courbée. Donc si la semence est mûre, alors cela veut dire que c'est le temps de faire les plus grandes œuvres. La parole est ouverte et vous êtes prêt à mourir à vous-même, vos désirs, ce que vous désirez, la grâce souveraine dans le Saint-Esprit. En cette heure de jugement, vous amènera au baptême du Saint-Esprit. Et ce soir, une révélation majeure est sortie dans cette bande sur les plus grandes œuvres. C'est ironique, c'est venu le 20 septembre 1998. Ce jour-là, le 9 et 6, les plus grandes œuvres, qu'est-ce que c'est? Faire les plus grandes œuvres de Jésus-Christ. Il parlait de Sœur Wingate, comment la guérison, la résurrection des morts. Il a dit, Sœur Wingate, les plus grandes œuvres que ceci. Vous ferez transmettre la vie éternelle, remettre les péchés, imposer les mains aux malades, transmettre le germe de vie, le baptême du Saint-Esprit. C'était une semence majeure pour la troisième phase. Merci, frère Coleman. Nous l'apprécions. Et j'aimerais terminer avec ceci. J'aime enfin, comment a donné l'illustration du Saint-Esprit, le notaire qui presse, imprime son sceau dans votre cœur sous la signature de votre nom, car votre nom est écrit dans la section du sang jusqu'à ce que chaque promesse devienne une réalité. Il presse, presse et presse. Et parfois, vous n'arrivez pas à comprendre, mais il presse ce sceau. La vie de Christ alors doit être formée en vous. Alors ne soyez pas découragé de traverser des épreuves, des tests, et votre nom est dans le livre. Et ce jour-là au calvaire,
voilà pour nous, que l'Esprit nous conduise au calvaire. Il est ici. Donc consacrez-vous, soyez prêts, souvenez-vous ce que le pasteur nous a dit, ce sont des réunions spéciales ce soir, dimanche et mercredi. Préparez-vous, soyez prêts à voir la gloire de Dieu. Merci encore, frère Coleman. Que Dieu vous bénisse, nous l'apprécions. Just as we close out, comme nous terminons, two notes of praise, deux notes de louange. Rebecca Swed, j'aimerais remercier le Seigneur de m'avoir donné un emploi après la prière de l'Église dimanche.